Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un jeu. Voilà, ça fait longtemps que j'avais pas fait de jeu. Alors on se retrouve sur Burnout. Oui, je sais, je recopie un peu, mais bon, voilà quoi, c'est pas très 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 grave, hein. Quand il n'y a pas d'idée en confinement, eh bien on fait avec ce qu'on peut, ok? Sur ce, j'espère que la vidéo vous plaira. Alors vous verrez pas ma tête pendant le jeu, mais au début oui, et à la fin oui. Sur ce, à toutes! Nous nous retrouvons pour Brainwatch. Alors, c'est un casse-tête. Et puis on verra où on ira. Non, alors on va essayer d'aller au plus loin qu'on peut et voir ce que c'est le jeu. Bon, même si je connais déjà un petit peu via des vidéos. Mais voilà, là on va compter combien il y a de canards. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10. Il n'y en a pas 10. Ah oui, parce que lui là, c'est pas un petit canard. Il y en avait 9, ok. Qui est le plus grand? La girafe? Non. Le soleil? Ok, je sais pas pourquoi, mais ouais, si tu veux. Alors, pouvez-vous trouver celui qui est différent? Ah, c'était celui-ci, voilà. Quelle griffe est semblable à la griffe déployée du chat? Soit celle du bas ou soit celle du haut. Celle du bas. Hein? Ok, d'accord. En fait, fallait j'appuie sur l'autre patte qui était... Ok. Combien y a-t-il de triangles dans un pentagone? Beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On voit 6. Il n'y en a pas 6. 1, 2, 3, 4, 9, 10. 10. Il n'y en a pas 10. Il y en avait 11, ok. Bon, j'ai dû en oublier un, mais bon, lequel, je ne sais pas. Alors voilà, si jamais ce jeu vous plaît, n'hésitez pas à me dire, si vous voulez que je fasse un let's play dessus. Voilà. Alors, quelle note donneriez-vous pour ce jeu? Toutes les marques, une note. Toutes les marques. Ok, si tu veux. Alors, réveillez le hibou. Le hibou, il faut qu'il fasse nuit. Voilà, ok. Alors, trouvez quelque chose que vous ne pouvez pas manger. Ouais, ça. Bah ça alors, bah voilà, ok. Ouais, des fois en fait il faut bouger et tout. Alors là je sais ce qu'il faut faire, il faut faire ça. Hop là, voilà, fallait appuyer deux fois, fallait appuyer avec ses deux doigts. Parce qu'en fait c'est un truc de rapidité. Trouver la couleur la plus foncée, bah c'est les écritures noires. Oui, il y a plein de choses que j'ai déjà vues parce que c'est vu que c'est déjà vu en vidéo. Et là, faut soulever ça. Et là, on fait 3. Il y a plein de niveaux auxquels j'ai été spoilé. Spoilé. Spoil. Bref, vous avez compris. Aider bébé caneton à boire de l'eau. Tiens, bois, regarde. Hop là, voilà. Ok. Pouvez-vous résoudre cette question? Alors là. Ah, ok. D'accord, fallait enlever la barre du 1 pour la mettre au fond pour que ça fasse 2. Vous avez trouvé quelque chose à manger? Vous avez sûrement un truc à bouger? Non, même pas. Alors là. Ah, ok, d'accord. Fallait faire un genre de steak ou je sais pas quoi là, un beefsteak ou je sais pas trop quoi. Le petit éléphant est si seul. Regardez une vidéo. A few minutes later. Hein, ok, en fait, fallait même pas regarder une pub, fallait juste appuyer pour dupliquer. Ok, d'accord, il m'a dit donc, mettez la girafe au frigo. Et comment? Ah d'accord, fallait zoomer avec ses deux doigts. Ok, d'accord. Alors ça, celui-là, par contre, j'ai jamais vu, alors je sais pas trop. Remplissez les bonnes cases. 2, 2, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1. Ah non, ok, j'ai compris. Tac, 3. 1. 2. 1, 2. What? Mais c'est pas possible. 1, 2, 3.
A few moments later. Ok, alors. Tac. Ça c'est good. Et là, voilà. Oui, bon. Enfin, j'ai... Ok, voilà. J'avais... je suis allée chercher la solution sur internet et j'ai vu que c'était comme ça qu'il fallait faire. Comme ça, ben, plus vite on réussit, mieux on... Ah, ok. C'est bon, t'as assez grande là? Ok. Bref. Non-fumeur. Mais ça, non? Ah, ok. Fallait appuyer. Fallait taper. Place 3 pièces dans une tirelire. Combien il y en a maintenant? Il y en a beaucoup. Ah. Rentre. Fou, elle a beaucoup. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si j'ai bien compté, il y en a 15. Vous pourrez aussi dire dans les commentaires, vous, les... S'il y a des trucs où quand il faut compter comme ça, vous aussi, vous pouvez participer en mode numéro 1. C'était, il y en avait 3. J'ai tellement faim, faites quelque chose à manger. Ah, ok. Ok, fallait faire un œuf. Ok. Quelles sont les coupes minimales nécessaires pour couper un cercle en 8? Ah, ça, j'avais vu, je crois que c'était 3, si je me trompe pas. Ah, ok, une seule. Ok. Combien y a-t-il de fourmis? Alors, ça, je sais qu'il faut zoomer. Voilà, maintenant on peut compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y en a 18. Hein? Voilà, j'avais mal compté, ok. Excusez-moi. Trouvez la règle et notez la réponse. Alors, 1, 2, 3. Hein? 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ce serait de la. Bah, 8 alors. Hein? Bon, ben sur ce, on va faire la fin de cette vidéo sur ça, parce que faire 26 niveaux, c'est quand même pas mal, je pense que ça a duré assez longtemps. Alors, si pour celui-ci, vous trouvez la solution, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Sinon, bah, je le ferai aussi bah, à la prochaine vidéo, si ça vous plaît. Pendant ce confinement, bah, il n'y a pas grand-chose à faire, alors on essaie de trouver tout ce qu'on peut pour s'occuper. Voilà, je vous laisse essayer de trouver et de me dire dans les commentaires ce que c'était la solution. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, voilà, je vais faire la fin avec ma tête. Comme ça, voilà, ça fera début avec ma tête, milieu sans ma tête et fin avec ma tête. Et comme ça, bah, ça sera mieux. Voilà. Bon, sur ce, on se retrouve pour cette fin de vidéo sur ce jeu Brainout. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, si vous êtes chaud, chaud patate, chaud braise, vous me mettez dans les commentaires et on fera tout le jeu, tout Brainout. Voilà, si vous êtes chaud, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'en profite avec ce confinement de faire des petits jeux tranquilles, posés, même si ça casse la tête. Mais bon, voilà. Sur ce, je vous laisse liker, commentez cette vidéo et je vous dis à la prochaine.